Bonsoir à tout le monde. Je suis contente de vous voir. Je vous fais un petit coucou tout d'abord. Et ça faisait un petit moment que je voulais prouver l'arnaque du siècle en ce qui concerne le Covid-19 et j'en ai eu la preuve moi-même aujourd'hui. J'en suis la preuve vivante. Pourquoi? Lundi, je dois subir une petite intervention chirurgicale et bien sûr, avant de rentrer à l'hôpital, on nous demande d'avoir un test Covid négatif. Je vais hier après-midi faire mon test comme il se doit pour pouvoir me faire opérer lundi. Et vous pourrez regarder que sur ce test, mes trois gènes sont positifs. Donc, je me dis, mince, je ne vais pas pouvoir me faire opérer. Il faut que je reste en quarantaine pendant une semaine à la maison. Et puis, je me suis dit, non, ce n'est pas possible parce que je me sens tellement bien. À savoir que je suis quand même asthmatique. J'ai une bronchite chronique obstructive. Et en plus, j'ai un emphysème débutant. Je devrais être, étant positif aux trois gènes, hospitalisée à l'heure où je vous parle en ce moment. Qu'est-ce que je décide à faire, de faire, pardon? Ben, je me suis dit, je vais aller voir un autre laboratoire pour refaire le test. Je suis allée ce matin rapidement refaire un test Covid qui s'avère, comme vous pouvez le constater, négatif. Ce qui signifie qu'en 24 heures, ben, je suis passée de positif en négatif. Il fallait que je vous parle de ça parce que voilà l'arnaque du siècle, elle est là. Et j'en suis la preuve vivante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc faites attention à vous, n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas toutes ces conneries. Stop, stop et stop. Merci.